On a un autre reportage de la 15e édition du tournoi national Pee-Wee. J'ai Sylvain à mes côtés. Bonjour Sylvain. Bonjour Alain. Alors, on a un match dans la catégorie AA. Deux excellentes équipes en présence, les Seigneurs de Mille-Îles contre l'Express de la rive sud de Québec. Alors, quel genre de match peut-on s'attendre, Sylvain? Bien, de chaque côté, les deux instructeurs m'ont dit à peu près les mêmes choses. On n'a pas de super vedette, ni d'un côté ni de l'autre. Si ce n'est que du côté de l'équipe de Rive-Sud, on a surveillé la ligne du 19, du 12 et du 20. Si cette ligne-là ne fonctionne pas, l'équipe de Rive-Sud sont en problème. Les faiblesses, par contre, on a les quatre gardiens de but, c'est tous des gardiens de but de première année. Donc, un manque d'expérience de chaque côté, c'est les choses qu'on peut surveiller en général pour ce match-là. Oui, parce que jusqu'à présent, on a eu des matchs très excitants dans la catégorie AA. Un match vient de se terminer ici 4-3 en faveur de Mauricie contre Gloucester, qui avait hier soir annulé 0-0, on s'en rappellera, contre les Vicks de Granby. Un match où les deux gardiens ont été époustouflants. Alors, on vous revient dans quelques instants avec la description de ce match. François Berthiaume à la description et Sylvain Côté à l'analyse. Merci et à tantôt. Eh bien, bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rencontre qui opposera l'Express de la Rive-Sud de Québec au Seigneur des Mille-Îles. La Rive-Sud sera en blanc et les Mille-Îles en gris. Bon match. C'est le mieux. Il pousse en zone adverse. C'est repris en défensive par Mille-Îles. Hors-jeu ici. Parce que numéro 20, Pierre-André Thibault, pénètre trop rapidement en zone adverse. Oui, François, on peut peut-être mentionner que les gardiens de but en présence du côté de l'Express de Rive-Sud, on a le numéro 1, Antoine Marceau, et du côté des Seigneurs de Mille-Îles, Jerry Citio. On repousse en zone adverse, en zone défensive du Mille-Îles. Passe au centre, c'est bloqué. C'est repris par Barreau. Bloqué encore une fois et on sort. C'est Thibault. Thibault en zone adverse. On l'a devancé. On reprendra en zone neutre. Donc, on peut peut-être dire que Mille-Îles, on peut peut-être parler de leur match précédent. Donc, ils ont fait face aux Vicks de Granby. Ils l'ont emporté.